Julien a été éliminé de la Star Academy une semaine avant le prime de la demi-finale diffusée le 19 novembre sur TF1. Dans un entretien avec Oh My Mag, le jeune homme s'est confié sur sa vie après l'aventure le 15 octobre dernier. TF1 a rouvert les portes de la Star Academy pour une 10e saison inédite. 13 nouveaux élèves se sont lancés dans cette incroyable aventure, entre cours de danse, de chant et évaluation. Chaque semaine, lors du prime, des éliminations ont eu lieu. Amis a été la première à quitter le concours de chant. Puis Senso et Hassen ont suivi, comme Carla et Paola lors d'une semaine spéciale destin lié. Julien, nominé plusieurs fois, a échappé deux fois à l'élimination grâce au public. Mais le jeune homme n'a pas fait le poids face à Anisha, contre qui il était en danger. Il n'a pas non plus pu compter sur le soutien de ses camarades, qui ont donné leur voix en majorité à Tiana. Avec Stanislas, le frère de Mathieu Canabi a été éliminé aux portes de la demi-finale. Julien revient sur son aventure à la Star Academy depuis sa sortie du château de Damary-les-Lys. Julien enchaîne les apparitions à la télévision. S'il est revenu sur son refus de porter des talons lors du cours de Yanis Marshall dans Quotidien, il s'est montré cash sur sa vie sentimentale. Ce jeudi 24 novembre, il s'est confié à Oh My Mag dans une vidéo postée sur la page Instagram du média. L'occasion pour lui de faire quelques confidences sur ses débuts dans la musique. Ainsi, il a réellement commencé à chanter à 14, 15 ans. Il a ensuite parlé de la Star Academy, révélant ce qui a été le plus difficile pour lui. Le rythme, a-t-il répondu. Le cours auquel il préférait assister était celui de théâtre. C'était comme un moment de récréation pour lui. On pouvait vraiment se lâcher et faire abstraction de tout et se lancer sur plein de sujets différents, a-t-il continué. Ça me fait plaisir qu'il y ait des personnes pour moi. Julien ne regrette absolument rien de son aventure. Mais comment vit-il son après Star Academy? Le retour à la vie réelle est vraiment très sympa, les gens sont super bienveillants. On retrouve la liberté, a-t-il dit. Et de reconnaître qu'il n'est pas encore une personnalité 100% reconnaissable en public, pour l'instant, je n'ai pas eu énormément de personnes qui m'ont reconnu dans la rue, je ne vais pas mentir. Il y en a eu quelques-unes, elles étaient vraiment bienveillantes, ça me faisait plaisir qu'il y ait des personnes pour moi. Dans la suite de l'entretien, Julien a confié que les élèves ne sont pas vraiment prêts pour la sortie, mais une psychologue est présente s'ils ont besoin de conseils. À lire aussi, je voulais montrer autre chose, Julien, Star Academy, revient sur cette étiquette qui lui collait à la peau dans l'aventure.